Bonjour, bienvenue dans votre émission Fais ton sport à la maison. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien parce qu'on vous a prévu un petit programme de basketball. Eh oui, en fait, c'est mon sport préféré. Ah, c'est pour ça. Voilà. Donc, on va vous mélanger quelques entraînements de basket. Tu vas nous montrer tout ça ? Exactement. Donc, préparez-vous une paire de baskets. Ah oui, surtout une paire de baskets. Ouais. Même des montantes. Ouais. Un ballon. Non, une bouteille d'eau, une serviette et on y va. Allez, mes basketteurs en herbe, on va se préparer un échauffement de 5 minutes. Un échauffement de basketteurs. Allez, jambes tendues en arrière. Allez, parfait. On va placer les mains à l'intérieur. Voilà, parfait. On va étirer les ischios, les fessiers. On prend une grande inspiration. On inspire, on expire. Ok, on relâche tout doucement. Allez, on change de jambe. La même chose, les mains à l'intérieur. Donc sur ce mouvement, vous gardez le dos droit. Ce que vous voudrez éviter, c'est un dos rond, d'accord ? Au contraire, vous ouvrez, comme on va dire, un petit peu la cage thoracique. C'est ça. Ok, on relâche tout doucement. Vous allez placer votre genou opposé au sol. Voilà, comme ceci. Vous allez faire bras tendus en haut et une petite rotation. Voilà, parfait. Donc une grande inspiration, expirez, inspirez. Ok, on relâche tout doucement. La même chose de l'autre côté. Allez, on twist. T'es dans l'ambiance, Elsa. Bah, tu sais que quand on regarde des matchs, il y a de la musique. Eh oui. Et chez vous, vous avez mis de la musique ? On aura besoin pour être en forme. Ok, on relâche tout doucement. On se relève. Allez, rotation du bassin. Cette fois-ci, vous allez pousser vers l'avant. Et poussez les fesses vers l'arrière. Voilà, tout doucement. On pousse, poussez les fesses vers l'arrière. Faites un grand cercle, tout doucement. On va étirer le bassin. Voilà, parfait. Très, très bien. Donc ce mouvement, vous pouvez le faire jambes légèrement fléchies comme Téric. Si vous avez assez de souplesse, vous pouvez faire comme moi, jambes tendues. C'est ça, exactement. Ok, on relâche tout doucement. Allez, rotation des épaules, ok, ouais, vers l'avant. Le corps est très sollicité hein, dans le basket. C'est ça. Donc Elsa, enfin, l'équipe, notre équipe, programme du jour. Ouf. Voilà, programme du jour. Comme les basketteurs, comme je disais tout à l'heure, on va travailler la défense et l'attaque. Moi, je veux bien être l'attaquante. Non. Il n'a pas confiance en moi. Tu vas aller même sur la touche remplaçante. Donc, le travail du jour. 4 séries, 45 secondes de travail, 4 exercices différents. D'accord. Donc ça, ce sera le premier bloc. Et le deuxième bloc, un peu plus sur les abdos, ciblé vraiment sur la sangle abdominale. Ok. Allez, on relâche. On va étirer un peu. La nuque. Yes. Allez, un petit nom. Tout doucement, on revient de l'autre côté. Allez, vraiment des mouvements lents. Tu sais que le basket, c'est mon sport préféré ? Oui, je le sais. Oui. C'est le sport préféré de mes frères aussi. C'est vrai. Et toi, c'est quoi ton sport préféré ? Le volleyball. Ah oui, j'aime bien aussi. Si tu insistes, on fera un épisode sur le volleyball. Ouais, peut-être, on verra. Et vous, quel est votre sport préféré ? Ils peuvent nous écrire, tu sais. Bah oui, vous nous écrivez sur les réseaux, vous nous dites à quel sport vous aimeriez bien qu'on allie un épisode, yes. Et on le fera avec grand plaisir. Ok, on relâche, on va faire monter un peu la fréquence cardiaque, enfin juste sauter sur place, tout simplement. Sur la pointe des pieds. Allez, on enroule les épaules, on bouge les poignets. Allez, parfait. Une grande inspiration. Allez, on bouge un peu partout. Téric, il prend ma place. Il va me fouetter, c'est comme toi. Allez, encore un peu. Allez, talons-fesses. Allez, gardez le dos droit. On serre les abdos. Allez, c'est parfait. Vous pouvez le faire, bien entendu, sans impulsion. Si vous ne pouvez pas sauter ou vous préférez éviter pour les articulations, vous le faites sans impulsion. Allez, encore un peu. Ok, on va faire les montées de genoux. Même principe. Soit vous mettez un petit côté cardio avec une impulsion,
Soit vous faites comme moi sans impulsion et le cardio, vous allez l'obtenir en augmentant la vitesse d'exécution. Ok, on relâche, on prend le ballon. Allez, on ramasse. On dribble. Sur place, on dribble, sur la pointe des pieds. Allez, on fait passer le ballon de l'autre main. Allez, imaginez que vous avez le ballon de basket, mais sur la pointe des pieds. On accélère un peu, on fait passer le ballon entre les jambes. Ok, on relâche doucement. Je fais mes petits bruits. Allez, bravo, allez. Donc l'échauffement, c'est bon, c'est terminé. On va pouvoir passer à la première partie de notre exercice. Donc cibler basket. Donc on va faire, comme tu disais, de la défense, de l'attaque et on va lier les mouvements qui vont avec. Allez, on y va. Allez, mes basketteurs en herbe, c'est le moment de préparer le match. T'es en train de jouer toute ta vie, là. Hein. Il est à fond. Hein. Non, on veut le score à la fin. Ah ouais, je veux gagner le match. Hein. Ah oui, hein. On gagne le match aujourd'hui. Hein. Allez, premier exercice, 45 secondes de travail. D'accord. On est en défense. Oula, oui. Ça passe pas. Ah, ça passe pas. Ni le ballon, ni les joueurs, rien. Personne ne passe, ok. Il ne marque pas. Allez, on se met en position. Donc, on a les genoux fléchis, ok. On serre les abdos, on y va. On se déplace sur le côté. Voilà, parfait. Toujours pareil, genoux bien fléchis, on bouge les bras en même temps. Voilà, parfait. Allez, on essaie de les empêcher de marquer le panier. Voilà, parfait, très très bien. Tu leur fais très la coordination, dis-moi. Allez, on bouge les bras, genoux fléchis. Voilà, super. Rentrez le ventre, serrez les abdos. Donc là, vraiment un gros travail sur les fessiers et sur les cuisses. Mais moi, je sens surtout les cuisses. Je commence à sentir les épaules aussi, à force de me mouvoir. C'est les meilleurs basketteurs. C'est pour ça qu'ils sont bons, c'est pour ça qu'on les prépare. Allez, encore. Allez, en défense, ça passe pas. Il reste quelques secondes. Ok, on relâche. Interception ? Yes. Allez, pareil, genoux fléchis. Allez, tac. Et pap. Et là, voilà. Pointe des pieds. Point des pieds, on intercepte. Allez, encore. Voilà, on change de main. Là. Tu voulais prendre le ballon, toi ? Oui, oui, je t'intercepte. Non. Voilà, sur la pointe des pieds, serrez bien les abdos, ok ? Et on intercepte le ballon. Voilà, très, très, très bien. Encore. Allez, serrez bien les abdos. Pointe des pieds, on est bien fléché sur les genoux. Hop, interception. Là, voilà. En même temps, allez-y un peu vers l'avant. C'est drôle, hein, ton truc. Bah ouais. Allez, vas-y, on se prend. On lâche pas. On intercepte le ballon, personne passe. Ok, on relâche. Prêt pour faire des passes ? Allez, on fait des passes. Allez, genoux fléchis, on serre bien les abdos, on dribble. Et passe main droite. Passe main gauche. Passe main droite. Là, passe main gauche. Et allez, encore. Une passe. Là, on passe. On dribble et on passe. Ok ? Allez, encore. Fais-moi une passe. Voilà, super. Et je marque le panier. Allez, encore l'équipe. Encore. Allez. On dribble, on fait une passe. Dribble le ballon et passer le ballon. Tiens, je te fais la passe. Merci. De rien. Je dois aller marquer maintenant, c'est ça? C'est ça. Allez, encore, on passe. Fais-moi une belle passe. Oui, voilà. Allez, encore. Ok, on fait du shoot. Regarde bien. Pied droit en arrière, genou fléchi. On monte le coude. Shoot, shoot. Voilà, en même temps, petite impulsion. On fléchit légèrement et on shoot. Voilà, parfait. Donc vous avez les coudes serrés, proches du corps. D'accord, on casse le poignet. Casse le poignet. Et ce que je veux, c'est la flexion pour travailler les cuisses. Ok ? Allez, encore. Petite flexion et on shoot. Allez, là, Timon, marque le panier. Allez, le encore. Dos reste droit, d'accord ? Et vous fléchissez les deux jambes simultanément. Tac. Voilà. Comme de mini-fente. Donc, c'est ça. Vu que je suis droitier, je tire de la main droite. Mais si vous êtes gaucher, main gauche. Allez, encore flexion. Allez, ok, on relâche. Pas mal, mes basketteurs, pas mal. Vous avez vu, hein, c'est cardio. Hein. Ah, ben oui, le basket, c'est un sport cardio. Très cardio. Très, très cardio. Allez, première série validée. On est pas mal. C'est le carton en fait, tu vois. C'est le carton. Il y a encore un deuxième carton. Hein. Oui, troisième, quatrième. C'est ça. Le match n'est pas fini. Eh, on mène au score. Bravo la team. On lâche pas, hein, ok. Allez, hydratez-vous. C'est la pause. On va reprendre pour la deuxième série. Hein. Là, on va pouvoir la même. On met des crosses et tout. Ok. Allez, mes basketteurs, on y va, deuxième série.
Bon, la team, on reste dans le match. OK? On est en défense et en attaque. OK, la team? Allez, on a encore un peu de temps de récup. Je vais m'hydrater, j'ai soif. D'accord. Bon, comme vous pouvez voir, Terry est en train de jouer toute sa vie sur ce match. Pour l'instant, on mène le score, donc tout va bien. On va essayer de continuer ainsi. Bien sûr. Notre premier mouvement est en défense. Donc, nous avons les jambes fléchies et on reprend à peu près les bases d'un demi-squat. C'est ça. Genoux fléchis. Allez, on est parti en Indien face. Allez, pas chasser sur le côté. On bouge les bras en même temps. C'est la position du crabe, en fait. C'est ça. C'est ça, la défense. Bientôt, il va nous faire un thème sur les animaux. Alors, fais ton sport dans un zoo. Hein? Ben quoi? C'est plutôt ça travaille. En faire oui, la grenouille. Oui, la grenouille, le canard. Il y a plein d'animaux qui... L'araignée. L'araignée, ah oui. T'avais pas peur des araignées, toi? Non, moi, j'ai peur de rien. Ah oui? OK. Allez, on continue. On fléchit bien sur les genoux. On serre les abdos. Là, je sais que ça commence à chauffer les cuisses. C'est-à-dire que vous êtes en bonne défense, là. Allez, encore, encore. Pas chasser sur le côté. OK. On y va pour les interceptions. Genoux fléchis. Allez, on intercepte. Changer de bras. Là, encore. Un, deux, on intercepte. Voilà. Genoux fléchis. Bras tendus vers l'avant. On peut même aller un peu vers l'avant. Voilà. Le buste vers l'avant. Tac. Pour intercepter le ballon. Là. Après, si vous avez option un peu plus facile. Oui, on marche sur place, tout à fait. Exactement. Vous êtes là, pap, un intercepte. Pap, un intercepte. Tout simplement, d'accord? Pour ceux qui ont l'habitude, sur la pointe des pieds, on accélère, OK? Allez, on défense, la team. Ça passe pas, on prend tous les ballons, OK, la team? Yes. Voleur de ballons. Eh oui, là, pour l'instant, on mène 10 points. Allez, encore. OK. Prête? Tu es prête? Je suis prête. Allez, on y va. On dribble? Yes, on dribble. Et on passe à la main gauche. On passe, on dribble et on change de bras à chaque fois. On change de bras. Voilà, parfait. Là, super. Allez, encore. Tu me donnes le ballon? Donne-moi le ballon. J'allais pas te le donner à toi, mais bon. Allez, on passe. Voilà. Passez le ballon. Voilà. Et toujours pareil, hein. Genou fléchi, hein, d'accord? Super. Allez, encore, on y va. Allez, bras tendus vers l'avant. Là, passez le ballon. Allez, passez votre ballon, votre coéquipier. Clac. Là, super. Allez, pointe des pieds, on passe. Serre les abdos. OK. Prête pour les shoots? Prête. Allez, pied largeur de bassin. On monte les coudes, main droite et on pousse. Flexion, poussée. Tout simplement, OK? Allez, on marque les deux points. Là, deux points pour moi. Allez, ce que je veux, c'est la flexion, d'accord? Travail des cuisses, travail des fessiers. Et en même temps, les épaules, parce qu'on lève les coudes. Merci Elsa, super, voilà, c'est exactement ça. Et si vous êtes gaucher, main gauche, flexion. Le plus important, c'est vraiment la flexion. Allez, on pousse sur les talons. Allez, je change de main, main droite, là, bam. Et on casse le poignet. Allez, on met les deux points. Allez, on va gagner ce match. On lâche pas, serrez les abdos. Encore, OK, top, carton terminé. Parfait. Ouh, allez, on enroule les épaules, tu as vu? On mène toujours le jeu, c'est bon? C'est ça, on mène toujours. Hey, on mène toujours la team. On reste là, on reste concentré, on reste focus, OK? Vous allez, pouvez faire comme moi, vous étirez un petit peu. Donc le dos droit, je resserre mes mains, j'ouvre la cage thoracique et je garde le dos droit. D'accord? Pas besoin de pencher vers l'avant. On relâche un peu, on étire également les épaules. On récupère son souffle, on va partir sur une autre série. Yes, troisième série. Hey, on va le gagner ce match. On va le gagner. Focus, OK? On va gagner parce que je suis dans l'équipe. Remplaçante. Allez, on y va, troisième série. Allez, les basketteurs. Et Elsa. Troisième carton. Les basketteuses. Ah, merci. Les basketteuses aussi. Troisième carton. On lâche pas. On est déterminés. Oui, on a compris ça. Ah, hey, c'est mon sport. C'est mon sport. OK, on est à la maison. On joue à domicile. Oui, OK? Allez, la team, on se met en défense. On est chez nous, hein. N'oubliez pas, on est chez nous. Allez, genoux fléchis, comme tout à l'heure, on se déplace. OK? C'est parti. Allez, on bouge les bras. Voilà, c'est parfait. Allez, 45 secondes de travail. On inspire, on expire. N'oublie pas de rentrer le ventre.
Allez Elsa, ça passe pas. Hein. Ça passe pas. J'adore André qui danse en même temps, tu vois, t'es là. Vous avez vu comment elle danse bien? Allez encore, genou fléchi sur les côtés. Allez, ça passe pas, ça passe pas. Voilà, parfait. Allez encore, pas chassé sur le côté. Les talons ne se touchent pas, hein, d'accord? On se déplace. Sur côté, encore quelques secondes. Ça va Elsa? Ça va, ça va. Oh, on n'est pas fatigué. Jamais. Ok. Allez. Interception. Pas un intercept. Changez de bras. Voilà. Bras tendus sur le côté. Super. Option facile avec Elsa, sans sauter. Voilà, parfait. C'est juste vous tendez le bras sur le côté. Voilà, en même temps, travaillez les épaules, le dos. Voilà, on les tire. Et sinon, avec moi, option plus difficile, pointe de pied, interception. Voilà, parfait. Allez, ça passe pas, ça passe pas. On prend tous les ballons maintenant. Hein. Bien, je vais te piquer le ballon. Non, c'est mon ballon. Non. Allez, reviens là. Allez, on lâche pas. Encore quelques secondes. Inspirez, vous soufflez quand vous tendez le bras. Ok. T'es prête? Je suis prête. Qu'est-ce que tu veux faire? Le shoot. On shoot. Allez, c'est parti, ça shoot. Flexion. Flexion. Voilà, parfait. Et on pousse. 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 Allez, encore. On lâche pas. C'est ça. Parfait, c'est parfait ça. Ah, ok, on y va. Allez, on reste motivé. C'est ça, c'est bien, c'est très très bien. Petite flexion. Allez, on change de main, main gauche. On y va, on pousse. C'est la même chose, d'accord? Vous avez les deux bras. On y va, petite flexion. Et on monte. Allez, allez, allez. On faut gagner ce match, on lâche pas. Plus haut, plus haut, plus haut. Ok, plus loin. On change. On fait des passes. On fait des passes. Yes, Alice. Allez, c'est parti. Passe. Passe-moi le ballon. Hop, allez, je shoot. Allez, continuez, faites des passes. Voilà, bras tendus. Sur le côté. Point des pieds, on passe. Là. Serrez bien les abdos. Allez, encore, 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 c'est pas fini. Là, c'est parfait. Allez, ils ne prennent pas le ballon. Ils ne prennent pas le ballon, Lisa. Jamais, jamais, jamais. Tiens. Merci, allez, je vous en repasse. Allez, on reste motivé, la team. On va le gagner, ce match. Allez, on est ensemble. On est une équipe. Ok? C'est ça. Voilà. Vous avez vu, Terry veut gagner, on n'a pas le choix, il faut tout donner là. Je vous le dis, on perd pas ce match. Ok, top, bien joué. Très bien, il va nous en rester une dernière. C'est ça, exactement. Histoire de finaliser le match, de le gagner surtout. Donc pareil, on va venir étirer un petit peu. Donc comme on a fait un gros travail sur le bas du corps, je tends ma jambe, je pousse bien mes fessiers vers l'arrière en gardant le dos droit. On va faire pareil de l'autre côté et en même temps, on récupère son souffle. Ouf. Allez, marchez en même temps aussi après. Mm-hmm. Enroulez vos épaules. On fait redescendre la fréquence cardiaque. Il nous reste une dernière série du premier bloc. Du premier bloc. Du premier bloc. Après le deuxième bloc, on va travailler sur les abdos. Mais pour l'instant, on reste dans le match. Ok. Allez, on se prépare. Quatrième série. Quatrième carton. T'es prête pour gagner ce match, Elsa? Mais on est déjà en train de gagner. Je t'ai dit, je suis dans l'équipe. Non, mais tu sais, on va gagner. Au basket, même si tu mènes 10 points, oui, c'est vrai. Où il reste 2 minutes à jouer, tu peux perdre. Tout peut changer. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on reste focus, concentré. OK? Comme tout à l'heure, premier exercice, hein, 45 défense. Secondes en défense. OK. Vraiment, c'est notre match. C'est notre match. C'est notre on finale. Donne tout. On donne tout. C'est notre finale. On y va. C'est parti. Allez, on y va. On se déplace. Let's go. Là. Oui, parfait. On bouge les bras. Allez, Elsa, on est ensemble. On a la plus grande défense, là. C'est personne ne passe. Si c'est quoi? Voilà, double défense. On bouge plus. Poussez-vous. Personne bouge. Allez, on y va, Elsa. Allez, la team. Genoux fléchis, on serre les abdos. Allez, c'est le dernier carton, là. Allez, encore. On va le gagner, ce match. Bien Elsa, super. Bonne défense Elsa. T'as vu? Allez, super. Check. Allez, c'est parfait ça. Allez, tu vas en bas, tu postes en bas, tu défends. Ah, oui, ça passe plus. Ça passe plus. Allez, prête pour les interceptions? Je suis prête. Allez, on y va. Là, on va chercher le ballon. Allez, je te couvre Elsa, je te couvre. Je suis derrière toi. Je suis derrière toi. Il passe pas. Allez la team, on est ensemble. On est derrière vous. Même s'il passe, c'est pas grave, on est derrière.
On récupère le ballon. Voilà. Option facile, sans sur la pointe des pieds, d'accord? Sans sauter. Voilà, vous repoussez bien le poids du corps vers l'avant. Vous avancez en fléchissant les jambes. Sinon, un petit côté cardio. Vous faites des pas entre les deux. Voilà, bras tendus sur le côté pour intercepter le ballon. Allez, la team, ok? C'est notre dernier match. Quelques secondes encore. Allez, on intercepte tous les ballons. Ça passe pas, ça passe pas. Ça passe pas, ok. Allez, Elsa, on se fait des passes. Allez, on passe. Fais-moi la passe. Yes, super. Allez, côté. Côté. Voilà, parfait. Vous avez bras tendus sur les côtés, d'accord? On passe le ballon. Allez, donne-moi le ballon. Il faut que tu marques hein, si je te le passe. Hein. Oui. Ah, voilà, on est d'accord. Allez, on continue. Allez, on mène de 12 points cette fois-ci. Allez, on lâche pas. Donc, vous avez vu, option facile, sans sauter. Option un peu plus difficile, plus cardio avec moi. Tac, sur la pointe des pieds. Allez, on accélère, là, tiens, on accélère. Allez, c'est parfait, ça. Allez, on est sur les dernières secondes. On continue à accélérer. On vient chercher à augmenter le rythme cardiaque. Allez, c'est la fin. Je sais que c'est dur, mais on lâche pas. OK, allez. Dernière, c'est la dernière. On fait les shoots. Les shoots. Allez, on monte les coudes en flexion et on pousse. Flexion et on pousse. Tiens, Elsa, je te passe le ballon. Allez, tu le marques. Merci. 3 points pour Elsa. Et encore, flexion. Allez. Donc on mène de 15 là. Hey, bien joué. Allez, on mène de 15 points cette fois-ci. Allez, on continue. Allez, on se motive, on se motive. Encore la team, encore. Tiens, passe. Ouais. Ouais, repasse. Oui, allez, yes. Encore la team. Allez, on va le gagner ce match ensemble. Allez, on lâche pas. Allez, on est sur les dernières secondes. Hey, je la veux ma médaille, moi. Allez, petite flexion. Allez, encore quelques secondes. Et top, le buzzer. Bravo. Bravo, bravo, bravo. On a gagné de plus de 20 points. Beau match. Beau match, Elsa, beau match. Heureusement que j'étais là. Hein. Heureusement que j'étais là. Heureusement que vous étiez là. Allez. C'était bien un beau travail d'équipe. Ah, voilà, le plus important, c'est ce travail d'équipe. Voilà. Il nous reste un autre bloc, le deuxième. Oui. Spécial abdo. Ça complète bien le basket. Hein, exactement. Ok. Allez, on a encore un peu de temps de récup. Hydratez-vous. Là, il faut vraiment boire. Ouais, d'accord. Moi, je bois un peu. Tu as raison. Voilà. Respirez. On va attaquer le deuxième bloc spécial abdo. Allez, c'est parti. C'est maintenant. Deuxième bloc bien spécifique sur la sangle abdominale. Mmh. On va travailler donc les abdos. Yes. Deux exercices debout. C'est ça. Deux exercices au sol. 45 secondes de travail. 4 séries. Exactement. 4 tu sais, ils ont cru que comme ils ont gagné le match. Il y a un trophée à gagner. C'est ça. C'est pas fini là. C'est les abdos, notre trophée. Ok. Donc, on va commencer par des genoux. D'accord, okay. Montée de genoux. C'est ça. Et on essaie de venir croiser, toucher le coude opposé. C'est parfait. Allez, on y va. Allez, on garde le dos droit, on serre les abdos. Un inspire et on souffle à la montée. Allez, faites-nous un petit sourire. Oui. On a la joie de vivre. On fait du sport en s'amusant. Allez, mes basketteurs, on monte les genoux, on croise. La petite rotation du bassin en même temps, ok? Allez, travaille des obliques. Le cardio, les cuisses. Oui, si vous voulez rajouter du cardio, il vous suffit de rajouter une petite impulsion à chaque mouvement. C'est pas obligé, c'est si vous avez envie. André, que tu danses. Je danse. Monte les genoux. Je monte les genoux, c'est déjà pas mal. Allez, on y va. Deuxième mouvement. On saute sur le côté, rotation du bassin, ok? Toujours pareil, genoux fléchis, petit jump sur les côtés et on revient. Option facile avec Elsa. Donc moi je fais un pivot, c'est-à-dire que je garde mon pied au sol et je viens juste twister le bassin sans impulsion. Vous pouvez bien sûr changer de jambe, vous n'êtes pas obligé de pivoter toujours avec la même jambe. Comme au basket. Exactement. Changement d'appui, ok? Pivot. Allez. Comme au basket. Allez, on continue, on lâche pas, encore quelques secondes. On inspire. Tiens bon. Allez, on serre les abdos, on serre. On lâche pas. Je sens mes cuisses. Ok. Et on relâche. On passe au sol. Mais largeur d'épaule, genou au sol. Allez, main gauche, on vient rentrer à l'intérieur. Allez, encore. Allez, le dos ne bouge pas. Rotation du bassin. Vous rentrez à l'intérieur. Inspire et on souffle.
Pour ce mouvement, vous avez trois options. Soit vous restez en position quatre pattes, c'est ce qu'on appelle genoux rapprochés. Vous pouvez également éloigner vos genoux. Dernière option, beaucoup plus difficile, vous êtes sur la pointe des pieds. Allez, encore, encore, encore. Encore quelques secondes, la team. Allez, c'est que le début, hein. Et oui, on a un deuxième côté. Allez, on continue. Et on relâche. On y va, Elsa. On rentre et on revient. On inspire et on souffle. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. On inspire quand on est en bas, on expire quand on relève. Donc comme vous pouvez constater, Terric a pris l'option facile. D'accord, quatre pattes. Je prends une option un peu plus dure, genou éloigné. Allez, encore. On lâche pas, on lâche pas. C'est bientôt fini. Serrez les abdos, on rentre le ventre, on bloque. On bloque comme en défense, ok? Yes! Personne passe! Allez, on va le gagner encore ce match. Hein. Allez, on est sur les dernières secondes, on lâche pas. Moi, je veux la coupe. Hein. Tu veux la coupe? Ah oui. Ok, on relâche tout doucement. On repousse avec les mains. On se relève tout doucement. J'en m'en appuie et on repousse. Allez, enroulez vos épaules. Allez, on récupère tout doucement. Hydratez-vous un peu. Donc là, la première série pour la sangle abdominale est terminée. Nous allons avoir une deuxième, une troisième, plus une quatrième série. Donc n'hésitez pas à écouter les consignes ou les différentes options. Comme ça, à chaque série, vous pouvez changer. Hein. Ça devient dur. Là, ça devient dur. Ça marche direct. Ah oui, là, on travaille. OK, on pense à nos objectifs. Oui. OK, deuxième série, on y va ? La même. La même. Allez, mes basketteurs, deuxième série du deuxième bloc pour les abdos. Abdos, abdos. Oh, toi, tu vas encore danser. Abdos, abdos. Non, 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 on ne danse pas, on va travailler. On peut faire les deux en même temps. Hein. OK, vous l'avez bien mérité aussi. Vous pouvez danser en même temps si vous voulez. Vous êtes à la maison, hein, vous êtes à domicile. Allez, comme tout à l'heure, OK, on monte les genoux croisés. Oui. 45 secondes de travail et on enchaîne sur les autres exercices. D'accord. OK, la team ? Pas de soucis. Allez, on se met en place, dos droit. On prend une grande inspiration et on monte les genoux. Twistez bien le bassin, le coude vers l'extérieur du genou, avec ou sans impulsion, avec ou sans sourire. Non, je rigole, que avec. Avec le sourire. Que avec le sourire. Allez, on monte, on croise, on monte et on croise. On rentre le ventre et on bloque. Un bloc, et bloc. Allez, encore. Moi, j'aime bien, ça fait un petit peu la coordination aussi, comme tout à l'heure avec le basket. Bien sûr. Ce qui est bien, tu vois, regarde, ça travaille les jambes, les abdos, les bras, les épaules. Oui. C'est complet en même temps. Hein. Allez, encore, continue. Et le cardio, hein. Et c'est ça qu'on veut. Hein, pas oublier ça, le cardio. C'est ça qu'on veut. Allez, on monte. Encore quelques secondes, la team. On tient, on résiste. OK. Prêt pour les jumps sur les côtés. Pivot. C'est parti. Donc vous soufflez à chaque impulsion ou à chaque pivot. Genoux fléchis, surtout pas de jambes tendues. Surtout non, non. Pas. Okay. Protégez vos rotules. On rentre le ventre, on bloque. Allez, jump sur le côté, là. Et on revient. Rotation du bassin, vous avez vu, hein? Rotation du bassin. Allez, travail des obliques, le ventre. Pensez au ventre plat, c'est ce qu'on veut. Voilà, rentrez bien le nombril pendant que vous êtes en train de le faire. Okay. Et on... Là, on va faire l'autre côté, d'accord? Main largeur d'épaule, main gauche, on vient rentrer à l'intérieur. Très bien. Donc là, on va travailler, comme je vous le disais, un côté, et ensuite, on va passer de l'autre côté. Deux mouvements au sol, on va travailler sur l'amplitude, vous twistez bien le bassin, vous levez le bras à chaque fois. Inspire, on expire. Allez, ça rentre. Encore quelques secondes. N'oubliez pas, vous avez eu différentes options qu'on vous a présentées. Donc vous choisissez celle que vous avez envie. Et pareil pour le rythme. Allez, encore. On garde le dos droit. OK, on relâche. On change de côté. Allez, main en appui. On y va, Elsa. Allez, soyez bien gainés, d'accord? Dos droit. Ça travaille les épaules, le dos, les abdos. Ouais, l'épaule aussi, hein. Et oui, parce que t'es en appui, là. C'est ça. Mais en appui.
Allez, encore, rotation du buste, du bassin. On oxygène bien, on lâche pas, d'accord? C'est le dernier exercice, on s'arrête pas en chemin. En plus, nous sommes sur les dernières secondes. Donc, on reste motivé, on reste focus sur nos objectifs et on y va. C'est quoi, Elsa? Ça commence à bien brûler, là. Oui. Là, oui, là, on travaille. Allez, plus que deux, encore okay. Un. Et relâche. Wouh! Bravo, bravo, la team. Pas mal. On est à la moitié, là. C'est la moitié. Allez, deuxième série validée. Deuxième carton, quoi. Voilà. Allez, on va passer au troisième carton, mais... Ah non, attends, on peut récupérer encore un peu. Voilà, soufflez, marchez dans votre salon. Si vous voulez vous étirer un petit peu, vous le faites. Vous pouvez aller vous hydrater. La seule chose qu'on va éviter, c'est d'aller s'asseoir. Non. Parce que sinon, vous n'allez pas vous relever. Non. Ok, la team. Troisième carton. Mm-hmm. C'est la même chose. On reste motivé, on reste concentré. C'est pas encore fini, ok? Allez, on y va. Allez, la team, troisième série. Mais il est motivé comme jamais aujourd'hui. Eric. Ben, tu sais, c'est le match basket de tout à l'heure. Oui, c'est ton émission, c'est ton épisode. Ouais. Il est à fond. Ouais, je vais même te dribbler, tu vois. Je suis encore dans le basket, là. Allez, troisième série, comme tout à l'heure, d'accord? Les quatre exercices, 45 secondes de travail. On reste concentré, on reste focus. Oui, de toute façon, moi, je veux des résultats. J'ai un croc-top à mettre, d'accord? Donc, il faut que mes abdos soient saillants. Ok, si tu veux. Allez, on y va, on monte les genoux, on croise. Allez, encore, on continue, on serre les abdos. Allez, on rythme avec nous. Wouh, on croise. Augmentez le son. Allez. Suivez-nous. Allez, on est là pour s'amuser en même temps. Ah oui, dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie. Ben oui, c'est festif quand même. C'est vrai qu'avec toi... On fait du sport en s'amusant. C'est ça. C'est avec moi, quoi. On fait toujours la fête. C'est ça que t'allais dire. Oui, c'est toujours la fête. Ben oui, comment dire, la vie est une fête. Allez, encore. Mais pour l'instant, la vie, c'est les abdos. Allez, on croise, on monte. Ok, on relâche. Deuxième mouvement, twist du bassin, en pivot ou avec impulsion, vous choisissez. Dans tous les cas, vous travaillez. Hein. Ça reste quand même cardio. Hein. Surtout genoux fléchis, hein, d'accord? On va éviter les blessures. Option facile avec Elsa, ok? Pas d'impulsion, pas de jump, pas de saut. Oui, vous faites juste un pivot. Et si vous sentez que votre jambe d'appui chauffe trop, vous changez de jambe d'appui. Allez, on est solide sur les jambes. Allez, encore. À votre rythme, ok? Pas besoin de mettre de la vitesse. Comme ça, Elsa, c'est bon? Je te regarde. Tu fais ça bien, tu fais ça bien. Allez, viens avec moi, Elsa, viens. Allez, on continue. Allez, on passe au sol. Prochain exercice, toujours sur la taille et les obliques. On passe en dessous, on relève. On inspire quand on est en bas, on expire quand on relève. Comme on vous le dit à chaque épisode... Sur les abdos, surtout pas d'apnée. Déjà, en général, on n'en fait pas, mais encore moins sur les abdos. Sauf si vous faites la plongée en apnée. Il va falloir qu'on nous fasse un épisode natation, attention. Tout en apnée. Et t'imagines, on va pas pouvoir parler. Tu vas faire le ventre là. Oui, je sais le faire en plus. Oui, je sais. Il a des talents cachés comme ça, Eric. Oui. Allez, encore, on lâche pas. Là, ça commence à chauffer. Oui, on va pouvoir chauffer de l'autre côté. Allez, c'est parti, on y va, Elsa. Inspire, expire sur la montée. Allez, nos dernières 45 secondes. Allez, inspirez, soufflez. Alors là, votre corps va commencer à fatiguer, c'est normal, c'est l'avant-dernière. Mais on lâche pas. Oui. Vous pouvez, au pire, diminuer la vitesse, c'est-à-dire aller un peu moins vite. Mais on ne s'arrête pas, on n'habitue pas le corps à s'habituer quand il a un obstacle. Au contraire, on est là pour dépasser ses limites et on est là pour le faire avec vous. Allez, on continue. Quelques secondes encore. Oui. Allez, on est sur la fin. 3, 2, dernier mouvement et relâche. Ouh, oui, parfait. Très, très bien. Ouh. Là, ça commence à... Tu veux que je t'aide à te relever? Je sais que c'est compliqué. Je ne suis pas si vieux que ça, quand même. Hein non, J'aime bien l'embêter. Non, mais tu vas voir, toi. Allez, super. Allez, récupérez un peu, enroulez vos épaules. Parce que tu vois, quand on est les mains au sol,
Non, on laisse en travailler. Hein. Exactement. Allez, c'est super. Allez, même les jambes, secouez un peu. Allez, marchez, hydratez-vous. C'est la dernière série. Et je veux la coupe. Hein? C'est pas la coupe en chocolat, c'est la vraie coupe. Okay? Moi, je veux bien celle au chocolat. Non. Toi. Allez, on y va. Allez, les basketteurs, c'est la finale. C'est dernière la... série. C'est la dernière série. Eh, on le gagne encore ce match? On gagne, forcément. Je t'ai dit, je suis dans l'équipe. Tu veux pas comprendre ça? Non, toi, t'es remplaçant. Non, je rigole. Allez, tu peux venir par... Tu peux venir avec nous. Allez, comme tout à l'heure, les 4 exercices, 45 secondes de travail. Eh, cette fois-ci, on donne tout. Bah oui, s'il reste un peu d'énergie, c'est maintenant. C'est maintenant. Allez, on se met en place. Dos droit, les épaules vers l'arrière et on monte les genoux, c'est parti. Allez, cette fois-ci on lâche plus, il n'y a pas d'arrêt, hein. Ok? Yep. Allez, yep. On reste motivé. Allez, on est à fond pour la dernière série. Allez, c'est le finish. Allez, encore la team, on serre les abdos, on serre les dents. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire de la boxe? Ouais. Ah ben tiens. Pour le prochain épisode. La boxe ? Spécial boxe. Si tu veux et si tu insistes, on pourra faire le volleyball aussi. Hein. Ouais. La danse. Moi, j'ai plein de sports à te proposer. C'est vrai ? Bah écoute, on va regarder ça. Mais justement, regarde sur les réseaux. Ils nous disent ? Oui, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Et c'est ça, on y va ? Et on saute. On saute. On croise. On twist. On danse. Allez, la team. Encore. Oui, il veut vraiment gagner. Hein. Ah oui, bien sûr. Eh. Hey. On n'est que des vainqueurs dans cette équipe. Il n'y a que des vainqueurs avec nous. Hein. Allez, la team. Allez, on reste motivés. Moi, je suis une winneuse. Tu es une winneuse. Une winneuse. Alors saute. Saute. Allez, la team, avec nous. On croise. Voilà, parfait. Rotation du bassin. On twist. On twist. C'est ça. N'oubliez pas deux options, avec ou sans impulsion. Dans tous les cas, vous allez travailler la sangle abdominale, donc on lâche pas. Oh, ok, allez. Au sol. Au sol. Allez, Elsa. Allez, courage. Allez, main, largeur d'épaule. On rentre à l'intérieur. Allez, on se concentre, on rentre le ventre, on bloque. Voilà. On pense au ventre plat. Allez, encore. Allez, c'est encore facile, là. Encore. Eh oui, c'est toujours facile. Oui, oui. C'est dans votre tête. On aura gagné le match facilement. Mais c'est dans la tête, Elsa. Allez, la team, avec nous. Encore quelques secondes. Allez, on tient bon. Il va nous rester juste l'autre côté et vous aurez terminé toutes vos séries. Alors, on s'arrête pas un petit bon chemin. Allez, on change, on y va. Inspire, expire. On enchaîne. Allez, rotation à l'intérieur. Oui, gardez bien le dos droit. Ça va, Elsa ? Ça va. Et vous ? Vous allez bien ? Comment ça se passe à la maison ? Vous êtes bien, là ? Ils doivent se dire, ils sont complètement fous, ces deux-là. Ils nous lâchent jamais. Non, on vous lâche jamais. Ah non, ben on est là pour ça, hein. Vous restez avec nous. Allez, encore, les teams, encore. Alors, on rentre à l'intérieur. Allez, tenez bon les 10 dernières secondes. Inspire, on expire, pensez à vraiment inspirer, souffler, ok? C'est ça qui va vous aider à tenir d'ailleurs. Ok, top. Bravo, bravo. Derek, check. Bien joué. La team, check. Bien joué. Vous pouvez être fiers de vous, hein. Beau match, très beau match. Allez, on a terminé. T'as vu tout ce que j'ai marqué? Donc là, vous allez rester avec nous. Vous prenez un petit peu votre souffle, d'accord? On fait redescendre la fréquence cardiaque. Nous avons les étirements, également la minute nutrition. Donc, on ne change pas de chaîne. Non. Juste, on récupère un peu. C'est ça. Mais en tout cas, on a bien travaillé. Vous avez vu? Bravo. Sur les jambes, sur les abdos, sur le haut du corps. Très c'était complet. C'est pour ça que le basket, c'est super. Bonjour à tous, j'espère que vous vous êtes bien amusés sur cette séance Focus Basket. On y va ensemble pour notre stretch. Vous allez placer vos pieds à la largeur du bassin et vous allez juste monter devant vous vos bras, paume de main vers le ciel, inspire. Expirez, repoussez les paumes de main vers l'arrière. Et encore, inspire. Expirez.
une dernière fois. Inspirez. Soufflez, restez ici, replacez les paumes de main face l'une à l'autre. Et vous allez ouvrir votre bras droit vers l'arrière. Regardez votre paume de main ici. On revient. Et encore. Et cette fois-ci, vous allez l'arrêter juste sur le côté. Tournez, pivotez cette paume de main vers le fond. Et vous allez placer le dos de votre main au niveau des lombaires. Et vous allez tirer le coude vers l'arrière. Regardez également vers l'arrière, vers votre coude. Sentez vraiment un beau twist au niveau du buste. Et en pressant le dos de la main sur vos lombaires, vous allez sentir le dessus de votre épaule s'étirer. Recentrez, relâchez en ouvrant le bras sur l'extérieur. Revenez devant vous et relâchez. Et à nouveau, montez les bras parallèles au sol, ils s'arrêtent ici. Ouvrez le bras gauche, inspirez, tirez-le loin derrière vous et regardez votre paume de main. En soufflant, vous replacez devant vous. Inspirez, ouvrez le bras et il restera sur le côté. On y va? On pivote la paume de main vers l'arrière. Et c'est parti. Le dos de votre main va venir se placer dans le bas de votre dos. Vous allez pousser le bas du dos et ouvrir en tirant le coude vers l'arrière et le regard suit la direction. Serrez bien vos abdominaux pour rester face à moi avec votre bassin. Donc, pensez bien à tirer le coude vers l'arrière tout en pressant le dos de la main sur vos lombaires. Recentrez le buste. Ouvrez le bras à nouveau sur l'extérieur. Refermez. Croisez les doigts. Repoussez vos bras loin devant vous. Relâchez la tête, arrondissez le dos. Et vous allez ouvrir vos bras de chaque côté. Ouvrez la poitrine. Restez ici, regardez, les paumes de main sont face. Puis, vous allez tourner vos mains. Les paumes de main se retrouvent vers l'arrière. Et essayez de venir les toucher l'une contre l'autre dans votre dos. Le regard légèrement vers le ciel. Ouvrez et montez la poitrine vers le ciel. Reste, inspire. Reste, expire. Inspirez. Et soufflez, relâchez vos bras. Vous allez ouvrir un tout petit peu plus large la largeur de vos jambes, les pointes de pied légèrement sur les extérieurs. Et vous allez venir ici vous installer sur vos genoux avec vos coudes. Vous allez pousser les genoux de chaque côté pour ouvrir les hanches et étirer l'intérieur de vos cuisses, vos adducteurs. Vous restez là. Inspire. Et souffle. Parfait. Inspire. Et expire. Vous allez placer votre main droite à l'intérieur de votre pied gauche. Vous allez lever le talon derrière, tendre la jambe. Pliez la jambe qui est devant en gardant le genou au-dessus du talon. Et essayez vraiment de descendre le plus bas possible votre bassin. Reste, inspire. Expire. Dernière inspiration. En expirant, vous passez par le centre et on va se retrouver de l'autre côté pour exactement la même chose. La jambe derrière bien tendue, devant plier le genou à 90 degrés. Et on descend au max, tout en douceur, en écoutant sa respiration pour accompagner l'étirement. Inspire. Expire. Dernière inspiration ensemble. Et en expirant, on revient au centre, comme tout à l'heure, les deux pointes de pied. En ouverture, on pousse les genoux. On peut ici peut-être bouger un petit peu de droite à gauche pour trouver un petit peu plus d'espace dans cette ouverture de hanche. Et tranquillement, on referme la pointe des pieds et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. On replace les épaules, le visage et je vous laisse pour la suite avec votre minute nutrition. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une question de Sandrine qui nous dit « Je mange light et pourtant, à chaque fois, je finis par craquer et par perdre le contrôle sur mon alimentation. »
Alors oui, Sandrine, vous êtes trop restrictive et le fait donc de consommer des choses maigres ne vont pas faire maigrir, contrairement à ce que l'on croit. Il faut vraiment que vous puissiez apporter des aliments bruts et qui aient une bonne densité calorique, c'est-à-dire du plaisir en bouche, que ce soit le chocolat noir ou les huiles, l'avocat, qui va vous apporter donc de la plénitude et du bien-être et éviter justement donc les compulsions plus tard. Je vous invite aussi à augmenter plutôt que d'enlever. Augmentez donc les légumes verts puisque ça crée de l'effet satiétogène et du volume dans l'estomac et ils sont riches en vitamines et en minéraux. Donc n'hésitez pas à augmenter cette quantité-là. C'était votre Minute Nutrition et je vous souhaite une très bonne journée. Le match est terminé, on a gagné. Hein. Bravo. Vous méritez la coupe. Vous méritez le trophée. Ouais. Alors, on a eu la Minute Nutrition, yes. Nous avons eu les étirements, notre training. C'était un super combo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Yes, mais en tout cas, moi, j'ai adoré. C'est vrai, ça t'a plu? Bah, c'est le basket, c'est mon sport préféré. Oui, c'est ton sport. On était à domicile en plus. Ouais. Vous pouvez nous donner vos retours sur les réseaux sociaux. Ça nous fait énormément plaisir. Et si vous voulez choisir un autre sport, n'hésitez pas. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Mais en attendant, fais ton sport. À la maison.